Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour une nouvelle session extraterrestre. C'est aujourd'hui le dimanche 8 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 36e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure. Comme vous le savez dorénavant, toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations que j'ai enregistrées. Il m'est donc toujours possible d'avoir recours à mes enregistrements pour vérifier mes textes et vérifier les données que je vous fais passer. Vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et dans mon livre Premier Contact, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, nous allons découvrir les Urmas de la lignée des félins qui occupe le siège numéro 9 de la Fédération Galactique. Les Urmas font partie de la lignée des félins bipèdes, c'est-à-dire qu'ils marchent sur leurs deux pattes arrière. Leur planète d'origine se situe dans plusieurs amas et constellations, dans la constellation de la Lyre, mais ils sont aussi bien développés dans des colonies dans l'amas des Pléiades et des Iades, notamment autour de Mérope, Alpha Lyra ou Avalon ou Avion avec un Y, sont des planètes qui ressemblent à la Terre. Les Urmas sont des Lyriens au même titre que les lignées humanoïdes célestes que nous allons voir pendant les sessions numéro 38 du 22 septembre, et les Urmas félins bipèdes occupent les mêmes planètes ensemble. Ils ont de très nombreuses colonies dans l'amas des Iades et des Pléiades. Ils sont nommés Iadiens, comme vous le voyez sur l'encart derrière moi. Donc les Iadiens, qui sont aussi des Urmas, donc des félins, habitent certaines planètes dans le système stellaire des Pléiades Mérope ou dans certains systèmes stellaires des Iades, de l'amas des Iades. Il existe aussi des félins aquatiques, les Agnew, et des félins qui s'appellent les Inox. Ils occupent beaucoup de planètes, comme par exemple dans le système Sirius A, une planète qui s'appelle Enantia, E-N-A-N-T-H-I-A, dans le système du Grand Chien. Ils occupent aussi deux lunes de Jupiter, Io et Europe, qu'ils ont aidé à libérer de l'emprise des Draconiens, et ils ont de très nombreuses énormes bases sur d'autres planètes ainsi que des vaisseaux-mères stationnés en haute orbite dans notre système solaire Sol 13. Leurs multiples colonies à travers la galaxie se sont accumulées au fil du temps. Leur besoin de les protéger militairement et le fait d'être très politiques en tant qu'espèce, ainsi que leur force physique et mentale inhérente aux félins, ont fait d'eux la race la plus dominante dans cette galaxie. Ils sont présents partout. Leur influence culturelle et militaire est présente dans pratiquement toutes les civilisations, en particulier dans ce cadran dans lequel nous vivons, quatrième cadran de la galaxie. Les Urmas ont été présents sur Terre depuis des milliers d'années, notamment en Égypte et Sumer en Mésopotamie, le plus récemment dans la culture romaine et surtout grecque. En Égypte, ils ont laissé leur empreinte, notamment avec Sekhmet, qui d'après Zen est toujours vivante. Elle est commandante d'un vaisseau-mère et s'appelle
Basse-tête ou Sekaette de Avion. C'est la coéquipière du roi Rour d'Avion, qui est un lion à la fourrure totalement blanche, qui a un nez rose et des yeux bleu clair. Il est naturellement albinos, comme son père. Rour est un jeune lion de la dynastie royale couronnée, il y a environ 5 ans, en remplacement de son vieux père qui vit toujours. Le roi est considéré comme une incarnation de tout ce que représente la civilisation entière, le tout compressé en un seul individu. Il a à sa disposition un cercle de sages qui le guide tant qu'il est nouveau et jeune, mais au fur et à mesure qu'il progressera dans ses qualités et capacités de roi, les conseillers se retireront. Rour est toujours accompagné par au moins 5 de ses sages, mais c'est toujours lui qui prend les décisions. Ils sont en haute orbite terrestre derrière la Lune depuis 1952, donc depuis plus de 70 ans. Ils ont 50 immenses vaisseaux-mères en haute orbite terrestre qui accueillent environ 50 000 membres d'équipage. Ils ont des technologies avancées et ils sont pleinement militarisés depuis une quinzaine d'années, en 2008. Passons maintenant aux détails qui les concernent. Leurs caractéristiques physiques. D'après Zen, qui mesure 2 mètres de haut, les Urma mesurent entre 2,50 mètres et 3 mètres de haut, c'est-à-dire notre hauteur sous plafond au minimum. Ce sont des murs de muscles puissants, ils sont bipèdes, donc comme des lions debout sur 2 pattes, et leurs pattes sont si larges qu'elles font la taille de la tête de Zen, qui est 2 fois plus grosse que la mienne. Mâles et femelles ont tous une fourrure longue, ils sont de toutes les couleurs, comme les lions ou bien les chats, et de tous les motifs de fourrure que nous pouvons imaginer, comme les chats domestiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas homogènes. Et ils ne savent jamais quelle couleur les petits auront, ou de manière très limitée. Ils arrivent comme sur Terre que les membres d'une race, s'ils sont en relation les uns avec les autres, aient des enfants similaires, des lions comme des lions, des tigres comme des tigres, mais comme ils ne considèrent pas que c'est important, ils se croisent les uns avec les autres, ce qui donne une population très diversifiée en termes de lignée, donc d'apparence, en termes de couleur de fourrure et en motif de fourrure. Ils ont de longues crinières avec de fines tresses. Ils portent également des boucles d'oreilles, tant les hommes que les femmes. En général, ils ont des yeux bleus ou verts, de couleur or ou jaune, avec un iris vertical comme les chats. Ils ont une très longue queue avec une touffe au bout, et Zen disait qu'il fallait faire attention lorsque ils assistaient à des réunions de ne pas marcher dessus pendant ces réunions du Grand Conseil Andromédien ou du Grand Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Leur longévité. Ils vivent jusqu'à 5000 ans terrestres, et c'est la raison pour laquelle Sekhmet est encore en vie. Population. Leur capitale s'appelle Avion, A-V-Y-O-N. Elle est de plus d'un milliard d'individus. Mais leurs villes ne sont pas surpeuplées. Les maisons sont comme éparpillées et les urmas ne sont pas concentrés dans de grandes villes. Leur capitale est aussi grande que New York. C'est un port spatial avec beaucoup de circulation, Vega, bouillonne d'activité à la fois pour les urmas et pour les lyriens humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils partagent une ou plusieurs planètes ensemble. D'un côté, il y a les lyriens humanoïdes et de l'autre, les félins. Et ils s'entendent très bien, enfin depuis un certain temps. Ils ont des bâtiments qui ne sont pas de très hauts bâtiments, comme par exemple à New York. Ce sont des bâtiments plutôt plats. Mais leur caractéristique, c'est comme ils sont très grands, comme 3 mètres de haut sont très grands, les plafonds des pièces
sont très hauts et les salles sont très larges. Une autre caractéristique est que, tout en étant évidemment très avancés, leur style est très classique. Le terme de classique comme c'est compris sur Terre, c'est parce qu'ils sont très conservateurs. Ils ont des bâtiments à l'aspect ancien grec, comme du style du Parthénon ou des bâtiments de ce style avec de grandes colonnes et qui sont extrêmement solides. L'architecture des Urmas se caractérise par l'utilisation de la pierre avec des piliers de style grec, mais beaucoup plus grands. Des villes entières sont construites de cette manière, avec des entrées gigantesques, beaucoup de torches, des boucliers sur les murs, comme un mélange entre la Grèce classique et Rome, avec la science-fiction ultra-moderne. Ils ont des bâtiments circulaires, mais les rectangles abondent également. Leur mentalité et leur attitude. Ils sont plutôt émotionnels, intellectuels, aimants, et ils prennent soin des autres avec une haute notion de moralité. Ils recherchent constamment la connaissance et sont curieux de tout, comme tous les chats. Ce sont des explorateurs interstellaires et des gardiens des planètes. Ils rehaussent la spiritualité et préfèrent prendre le rôle de médiateur pour arrêter des conflits. Ils sont très patients et des guerriers suprêmes. Zen était très admiratif de cette lignée. Leur activité. Ils dorment beaucoup et passent 70% de leur temps à dormir en méditation ou en contemplation. Mais ils ne sont pas obligés de rester assis pour méditer, ils le font aussi pendant l'action. Leurs fréquences sont extrêmement hautes, ils ont un esprit de gardien et ils ont aussi des esprits qui sont les gardiens avec lesquels ils communiquent constamment. Souvent, et c'était le cas aussi avec Zen lorsque nous avions besoin de leur aide, il faut les attendre pendant des heures avant de pouvoir mettre en œuvre une attaque, par exemple, parce que comme ils dorment 70% de leur temps, ils ne répondaient que le lendemain. Ils aiment aussi beaucoup l'art. Ils sont très artistes. Ça les caractérise beaucoup, car ce qui est certain, c'est qu'ils sont toutes chez eux est exagéré, hyperbolique et épique en tout. Tout doit être grand, majestueux, immense, imposant. Tout doit briller comme de l'or. Tout est fait pour attirer l'attention. Tout est fait pour se démarquer des autres comme de bons chats. En peinture, les scènes peintes des grandes batailles de leur passé prédominent, avec un style réaliste. Tout est grand. Ils ont aussi beaucoup de sculptures. Les piliers sont généralement de grands félins tenant le plafond. Ils exploitent ce sentiment de manière magistrale. Une fois qu'un certain niveau de technologie est atteint, ils essayent de développer la suite, mais ils ont tout autant un amour pour tout ce qui est artisanal et confectionné à la main. La musique est basée principalement sur les tambours et les cuivres. Ils utilisent aussi des flûtes et des bâtons de pluie de type australien. C'est un long bâton de bambou avec des pierres à l'intérieur qui sonne comme de l'eau. Zen m'avait fait passer le titre d'un morceau qui ressemble à la musique qu'ils aiment et qu'ils créent et qui est la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Ce sont des marches exagérées et magnifiques. Ils chantent et dansent aussi beaucoup. Ils aiment beaucoup faire la fête, célébrant tout le temps quelque chose avec la moindre excuse. Leur communication et leur langage. Ils utilisent l'avionnais cunéiforme, comme les tablettes d'argile de Sommer, qui est une forme d'écriture de type griffure. Maintenant, tout se fait par ordinateur.
Et tout ce qu'ils écrivent, ils le font par ordinateur. Mais ils n'ont pas de clavier comme les nôtres, mais ce sont des claviers avec des boutons surdimensionnés et des surfaces high-tech de type tactile avec des hologrammes ou qu'ils commandent par la pensée. Ils peuvent aussi utiliser des boutons physiques qui ressemblent à une demi-sphère, comme une demi-balle de ping-pong, de la taille appropriée aux dimensions de leurs pattes. Avant d'utiliser cette technologie qu'ils ont développée pour l'adapter à leurs dimensions, autrefois, ils écrivaient avec leurs griffes comme des empreintes d'ongles ou des points en manuscrit. Ce sont comme des ensembles de lignes complexes et ils sont eux-mêmes hautement et massivement télépathiques et télékinétiques. Langue et son. Tous les chats, y compris les chats domestiques, peuvent émettre 3 à 4 fois plus de sons que les humains, même les humains célestes, les humanoïdes célestes. Et les urmas, comme beaucoup d'extraterrestres, chargent leurs mots télépathiquement avec des sons lorsqu'ils vous parlent. Ils ne parlent pas notre type de langue articulée, mais les sons qu'ils émettent, téléchargés télépathiquement, deviennent limpides et clairs, comme si vous étiez l'un d'eux. Vous pouvez parler en français et ils vous répondront dans leur langue, mais vous les comprendrez parfaitement et dans les moindres détails, car le vrai langage est télépathique. Leur puissance, me disait Zen, est effrayante. Et si Zen utilise ce mot, c'est qu'il n'en a pas trouvé d'autre pour décrire ces créatures puissantes et au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Voici un exemple de leur capacité. Les différents alliés sur Viera, donc la biosphère andromédienne qui se trouve cachée derrière la Lune, se sont rassemblés pour attaquer une base souterraine sur la Lune. Il y avait des militaires terriens qui ont commencé à tirer des balles. Les Urmas étaient capables de ralentir le temps et l'espace de manière naturelle pour que la balle avance au ralenti et qu'il puisse passer devant, derrière, sur le côté ou en dessous ou au-dessus pour calculer sa trajectoire et la dévier pour qu'elle ne blesse personne. Ils peuvent aussi tuer quelqu'un avec leur pensée. Ils connaissent le futur et ils sont très doués avec les armes blanches, les couteaux, les épées, les katanas et les armes de type ninja. Par ailleurs, ils peuvent lire toutes vos pensées, et même si vous leur parlez dans votre langue, ils sont capables de comprendre toutes les langues, et ils répondent par miaulement, mais de manière si claire que vous comprenez ce qu'ils disent. Leurs miaulements ont le son d'un orage profond. Leur société est de type holistique, holographique et par conseil de niveau comme la majorité des lignées extraterrestres du familial au planétaire et ils s'entendent très bien avec les Lyriens puisqu'en fait ils partagent une même planète ou plusieurs planètes. En fait les Lyriens, comme je vous l'ai déjà expliqué, ne voyagent plus dans le cosmos et ils sont plutôt apathiques car ils sont en fin de lignée. Donc les Urmas, qui sont très puissants, les protègent pour qu'ils ne soient pas attaqués et les Lyriens les laissent occuper la moitié de leur planète. Les deux sociétés sont coordonnées pour qu'ils s'entendent bien sans toutefois se marcher sur les pieds. Leurs vêtements. Ils s'habillent toujours avec de grandes armures et capes dorées. Sinon, ils portent des vêtements amples, assez spartiates, blancs ou beiges, ou un genre de toge violette avec de l'or. Ils utilisent aussi un genre de jupe à la romaine, mais ils couvrent leurs jambes avec des leggings noirs. Ils ont une ouverture dans les vêtements pour la queue,
mais qui a un genre de manche vers l'extérieur. Ce n'est pas seulement un trou dans les vêtements, il est présenté avec un élastique ou avec des lacets qui sert à resserrer ou à ajuster la manche des vêtements autour de la queue. Pour les pieds, il porte des bottes aux bouts arrondis et noirs avec une semelle. Elles sont en cuir végétal, puisque même étant carnivore, il ne tue pas, mais il fabrique la viande de manière artificielle. Il porte également des chaussures ouvertes, mais il est courant de les voir pieds nus, enfin pattes nues, dans des endroits où ils sont à l'aise. Ce style de botte a également été beaucoup vu chez les Romains. Ils portent des armures pour le combat en or et en argent, et ils défilent organisés en rang avec les tambours, les trompettes, les cuivres et les drapeaux comme le faisaient les armées romaines. Ils sont tellement puissants que c'est impressionnant, même pour un extraterrestre, de 2 mètres comme Zen, puisqu'en fin de compte, le moindre petit urma fait entre 50 centimètres et 1 mètre de plus que lui. La parentalité. Les femelles s'entraident avec leurs petits. Les petits sont transportés par les deux parents, mais aussi par d'autres membres du groupe qui ne sont pas leurs parents. Ils portent leur bébé dans leurs bras, pas comme les chats avec la gueule. Parfois, ils les portent aussi dans un sac à dos. Leur nourriture. Ils ne chassent plus, mais produisent de la viande de manière artificielle qui est distribuée par réplicateur. C'est un appareil assez volumineux qui nécessite l'assistance d'autres appareils secondaires. Et leur nourriture est essentiellement constituée de cultures de cellules ou de tissus dans des dispositifs similaires à des dosettes médicales. Mais les Urmas adorent la gastronomie. Ils passent beaucoup de temps à confectionner des recettes élaborées très épicées. Ce sont de très bons cuisiniers. Et ils adorent essayer de nouveaux plats. Zen m'avait raconté qu'il l'avait invité et il avait cuisiné des tas de plats végétariens que Zen avait beaucoup aimé puisque Zen n'est pas du tout carnivore. Et lorsque je me suis étonnée de leur dextérité, j'ai demandé à Zen comment il faisait pour saisir les légumes, les plats ou les bols. Et il m'a répondu que contrairement aux félins terrestres, ils ont un pouce préhensible comme le nôtre, ce qui leur permet de saisir les objets comme nous le faisons.